soki ote masi andenga yo sina kufa kala yawe na ekogumba mela yo yawe na ekogumba mela yo liboso na yo. Le premier ministre, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, absence na bango, est-ce qu'il y aura des sanctions que na bango parce que ba boycotto sa mboka mukonzi mboka ba boycotto sa mibeko mukonzi mboka ba yete, est-ce que le lobby to na sanctions me kula na bango te? Le président de la République avait instruit au premier ministre à son tour d'instruire aussi son ministre attaché au parlement pour organiser la cérémonie d'appréciation ya serment ya ba juge à cour constitutionnelle. Vous savez na réunion au conseil des ministres, ils ont la réunion moko sacré. Donc traité au gouvernement débattu en conseil des ministres. Okay. C'est que Ezu aval, il y a un ministre national, aval, il y a chef exécutif, chef de l'État. Il y aura ce qu'on fait dans l'Assemblée nationale. Premier ministre a exécuté, mais lobby, le juge va prêter serment. Il y aura ce qu'on appelle des sanctions administratives pour l'insubordination face au chef de l'État. Qu'est-ce qui va se passer? Ça va pousser au premier ministre à démissionner. Le président Fati va prendre l'ordonnance signant la démission du gouvernement. Maintenant, le premier ministre comme chef du gouvernement, il y aura maintenant la crise entre le parlement et le gouvernement. Pourquoi? Parce que chef du gouvernement, le ministre Gilbert, à Kolinga Oyo, Assemblée Bando Salaté. En ce moment-là, le président doit appliquer l'article de la Constitution pour dissoudre l'Assemblée. Tant qu'il y aura la crise persistante entre le gouvernement et l'Assemblée, le président sera comme garant de bon fonctionnement des institutions, comme le président de l'autorité immorale de la Mouka, Fidolo Mbongo, comme le président des fonds des criminels au Congo, autorité immorale Joseph Kanembe, il va dissoudre l'Assemblée nationale à l'immédiat. Aux Omona, c'est que sa politique, il y a papier Nabik. Kabila a quitté le pouvoir 5 étoiles à Mindouki. Mais Kabila fait 18 ans au pouvoir. Kabila avait le contrôle de l'armée. Kabila avait le contrôle de la justice. Mais aujourd'hui, Fati, sa majorité parlementaire, mon frère, mais ça n'a pas si. Mais Fati gagne toujours. Fati gagne. Sans entourer avec des inconscients professeurs, des juristes soi-disant, Fati a remporté. Fati a pris le cours de la démocratie. Voilà, bande de Kobalandi, Moti Nabino, partout dans les quatre coins du monde, Bozuli, Bokou, dans la chaîne Nobolinga, Mini, la voix céleste, na Alvin Béa. Merci de la confiance au Salabi, Sobo, continue toujours à s'abonner massivement. Nissou Nabino, tout qui est long, on a parlé du peuple, lobby, Kolandenge, bande de Kobalandi, Bago, Poté, Serma, O Mukozamo, Kazalaki, tout le monde, bande de FCC, Bago, qui est Bango, Pekoya, Netizen, Dojanine, Mabunda, Nande, Kolisa, Maman, ma mère. Force à population, on a le nom de mon bande de parce qu'il y a c'était une fête nationale. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir pour vous le président Michel. Il y a un parlement debout, il y a IDPS à l'obi, à appel au information. Personne n'a musique, bon, on a toujours sur le temps réel. C'était je suis Ezer Kaya, Mr. Cop, on a devant votre caméra, devant votre téléphone. Merci de soutenir la bine, nous sommes partout les quatre coins du monde. On a soutenir Bissot, on a mon téléphone, on a soutenir Bissot, on a matériel, on a chemise, nous sommes vraiment recevables. Je demanderai à John Kamande qui est derrière la caméra d'ouvrir le champ pour te bander. Nous sommes à ce net moment. Le président Michel, l'un des parlementaires debout, a repris la main par rapport à Vina et par rapport à tout ce qui s'est passé hier. À mon avis, on est ni après sa bande de quoi. Est-ce que la sanction que l'on a été qu'on a été mon amour comme beauté? Mbote mingi papa journaliste na sepeli mingi na kati émission na yo neto ko décortiquer makambo belé déjà na zo sala appel comme étant procureur général pour le peuple de l'UDPS ya batuba s'abonner massivement na chaîne O la voix céleste ya ngonde makambo et puis ba question e kozala yo ba réponse e kozala ya ngai et puis na pèse déjà mbote na entrée de jeu na maman Angèle Makeng maman Angèle Makengo, na niveau à Paris, l'être à grand pays Washington, na kata Château Rouge. Merci beaucoup, maman. Maman, la nage à qui maquette s'imponi, na vieille Guilaine à Luanda. Donc, au soleil, belé, n'est-ce pas retourné? Voilà, merci, Nabino Soboda, toujours connecté, restez branchés parce qu'aujourd'hui, il y a à boire et à manger. Tout à fait, maman, entre les jeux par rapport à prestation, c'est ma banjiche, je vais vous porter qui lobby. Et bande quoi, il dit des pèses, il y a FCC, il y a quitté, le président des chambres, parlement, il y a quitté. Voilà, par rapport à Nyon Soana, et c'est là qu'on est. En tout cas, je peux dire,
disons ceci, un channel non refi ou soit la non présence ou soit la présence de trois animateurs yaba institution collégiale et ça n'a impact mon côté na serment yaba juge à cour constitutionnelle. Donc présence ou soit la non présence tabango c'est protocolaire. Cela veut dire quoi? La personne qui peut recevoir le serment, c'est le président de la République. Pourquoi? Parce que c'est lui l'autorité compétente qui peut déclencher le serment. Par là, je vais dire quoi? Omoni, Mboka Oyo et Messala Kimingi n'ont militantisé par institution Yamboka. Parce que quand Kabila était aux commandes, Kabila avait instrumentalisé les institutions, Kabila avait militantisé les institutions, et puis il n'y avait pas la séparation du pouvoir. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un régime semi-présidentiel. Il y a la décentralisation du pouvoir et il y a quatre institutions. Il y a l'institution président de la République, il y a le Parlement, il y a le gouvernement, il y a les cours et tribunaux. Et puis je dirais ceci, lobby. Koyaya batuana te elobe yelo kote. Pourquoi? Parce que mutuanaka yamba siama eza chef de l'État. Yango moli tango ba juge ba prêté. Président Lobini, oui, je prends acte. Je vous confirme comme étant le juge de la Cour constitutionnelle. Mbala moko na kingakati tamoma ba piqué crise. Janine Mabunda ba memake na CMK na premier ministre. C'est pour dire quoi? Leur mission était de contrôler l'appareil judiciaire, de contrôler la CENI pour enfin reconquérir une majorité fabriquée en 2023. C'était ça le vrai problème. Maintenant, aujourd'hui, le FCC a fait montrer au monde que non, ce sont les ennemis de la population congolaise. Ils sont là pour bloquer les avantages des populations congolaises. Par là, je peux expliquer quoi? L'Assemblée nationale, c'est l'émanation de la population. Les députés sont nos représentants. L'article 64 plutôt, de la Constitution nous donne le pouvoir de faire échec à nos gens que nous avons envoyés au Parlement. Ceux qui sont là, contre la volonté de la population. On a vu des autorités militaires, civiles, religieuses, les artistes, comédiens, musiciens, tout comme ça, voire même un serment qui a été soutenu par la population congolaise. Je vais vous dire la déclaration des chaînes internationales. L'histoire retiendra dans ces pays que non, c'est à l'avènement de Fatou au pouvoir que le serment des juges de la Cour constitutionnelle est là qui récite la population. Bref, année. Professeur Badiou, parce que c'est ce qu'on appelle la jurisprudence en droit. Ce qui s'est répété, oh, ça les maquines en est moussous. Professeur Baniakou, quand Kabila l'a permis à la haute cour pour la routine d'un cours et à cassation, là il n'y avait pas violation de la constitution, là Kabila n'avait pas violé la constitution. Et puis je mets tous les juristes du FCC en défi de nous prouver le contraire. Par là, je peux m'expliquer comment. Fati que vous voyez, Fati c'est l'enfant d'un démocrate, Fati ne peut pas violer la constitution. Kabila, quand ses juges à l'époque, ils ont aussi prêté serment à son époque, Kabila n'avait pas même informé les animateurs des institutions collégiales. Cela veut dire quoi? Non, en fait, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat et le premier ministre. Mais aujourd'hui, Fati a respecté d'abord la constitution pour leur informer. Talaba Bengi Janine Mabunda na Tambo Mamba. Et pas Fati a tué constitution. Alobina Pessibino 30 minutes. Pouvez-moi, démontrez-moi là où j'ai violé la constitution. Il n'y a pas eu la démonstration. C'est là que vous allez comprendre que non, le gens du FCC, leur mission était de contrôler la Cour constitutionnelle. Pourquoi? Parce que c'est la Cour qui peut dire que non, Kabila est éligible ou soit inéligible. Le deux juges, oh, Bazalaki na Cour constitutionnelle, Bazalaki, Biso Benga, Bango, Baketel, Baketel, c'est que Bankadia, Batuna, Bachimel, Bango. Pourquoi? Parce que, mon 9 juges, pour Bazoua décision, il faut qu'on roule les années soient atteints. Ce qui, admettons que trois bandimi, t'es au lécaté. Parce que dès qu'on a des bandimi, c'est la pour Bango. Yoka Siko, t'es à faire grâce. Pourquoi? Parce que le pouvoir de l'UDP, c'est un pouvoir divin. Et ça, la volonté est une individualité. Ce n'est pas aussi un idéal politique. Il y a eu ce qu'on appelle la démission stratégique. Benoît Lamba a démissionné parce que la mission confiée à Benoît Lamba, c'était de destituer les chefs d'État sur le plan constitutionnel. C'est là où vous avez vu quand le président a proclamé l'état d'urgence en conformément avec la constitution, en informant les animateurs des institutions, on a vite un moment un indiscipliné politique que le monde n'a jamais connu, passer sur Top Congo pour dire que non, il faut aller organiser un congrès pour mettre le président, pour régulariser le président.
les propos du président de la République. Pourquoi? Parce qu'elle a violé, le président a violé la constitution. Je m'explique. Par là, il voulait faire quoi? Il y a une sangana. Il y a une motion incidentielle. Il va mettre le président en accusation. Le corps va déjà en contrôle de la cour constitutionnelle. Ça allait passer. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Parce que le corps déjà, nous a expliqué. Papa Sam, il y a maman Régine à Katia, New York. Il y a tout le monde qui a déjà ma rambo. Maman, il y a Angel, Makengu, grand pays à Washington, dans Château Rouge. Il y a tout le monde qui est général pour le peuple de l'IDPS. Mais il y a un autre monde maintenant. Moi, je suis là pour défendre le Valère, recadrer les juristes du FC, les soi-disant juristes. Le problème, c'est ça. C'est pour cela que Benoît Lamba démissionné, il y a eu une crise totale. Remarquez, depuis que Benoît Lamba démissionné, crise est quota maman à FCC cash. Il y a un monde qui télé 50 000. Médias personnels, Joseph Kabila, avec un conseil journaliste comme Jean-Marie Kassamba, qui est en train de monter des vidéos sextape pour humilier ma cadre en abisso. Ma cadre en abisso, il y a parti parce que Jean-Marie Kassamba travaille à RFI, je ne sais pas, c'est un grand montant de vidéo. Mais, président Fatshi, sans la majorité parlementaire, mon frère ami, excusez-moi, je l'ai répété, c'est pour la première fois. En Afrique, précisément au Congo, un président de la République gagne les élections sans pour autant gagner la majorité parlementaire. Mais le chef de l'État a réformé l'appareil judiciaire. Il est commis indépendant. Il y a une crise totale. Il a su déjà serment. Déjà, le juge a siégé qui a été sa première présidente à la Cour constitutionnelle. Il a remplacé Benoît Louamba. Il y a une question de continuer. Il y a une question de continuer. Parce que Fatia a nommé le juge pour l'intérêt du peuple congolais. Pourquoi le FCC va boycotter la protection de ces parce qu'il n'a pas intérêt au peuple congolais. Donc, problème est à Nini. Mais il y a un lobby qui est en amour. Le FCC est le congolais qui est le front des criminels au Congo en sigle FCC. Le FCC est déjà le déjà de la Congo pour la énième fois. C'est ça. Les gens ont besoin de tellement là. Mon salaire est congolais, classe est congolais, vie est congolais. Au moment où ils refusent l'Assemblée nationale, c'est parce que je suis content dans la Cour constitutionnelle. Mon frère ami, soyons clairs. L'IDPS n'a pas organisé les élections. Fatshi est allé déposer sa candidature pour clamer à la CENI. Pourquoi? Parce que la CENI proclame le résultat provisoire. Et puis la Cour constitutionnelle nous a défini le résultat. Fatshi gagne les élections sur toute l'étendue de la République, mais n'a pas gagné la majorité. Qu'est-ce que la Constitution dit? Il n'y a pas un article qui nous donne la cohabitation. Il fallait qu'il soit coalisé pour l'intérêt général de la population. Pourquoi? Parce que le chef de l'État engage le pays d'une manière officielle. Mais c'est le gouvernement qui gère le pays au quotidien. C'est qu'aujourd'hui, s'il y a la dépossession du franc congolais, des dollars et salemaki, il fallait que la présidente et l'Assemblée nationale interpelle le premier ministre. Parce que gouvernement est à émanation de l'Assemblée nationale. Le programme du Premier ministre est adopté à l'Assemblée nationale. Okay. L'Assemblée nationale contrôle le gouvernement. L'Assemblée nationale contrôle le DG tout comme ça. Jusqu'à preuve de contraire, quand tu vois qu'il n'y a pas des interpellations de DG, c'est parce que sont au courant et à mauvaise gestion. Ils veulent que les Congolais haïssent le chef de l'État. Ils veulent éternuer l'image du président de la République, voire même l'image de l'UDPS. Par là, je vais dire quoi? Fatshi a béton, Fatshi c'est un aigle politique, Fatshi c'est un serpent double vitesse. Fatshi a déraillé les gens du FCC jusqu'à preuve de contraire. Fatshi a destitué Kabila sur toutes ses forces. Fatshi a montré à un indiscipliné politique, Martin Fayulu, que non, comment est-ce que tu allais arrêter Kabila alors que Kabila avait le Rwandais dans l'armée. C'est ça le problème. On revient à une question belle par rapport à l'absence toujours. Il y a trois temps, le premier ministre, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat. Absence Nabango, est-ce qu'il y aura des sanctions que Nabango? Parce que boycotto ça m'a beaucoup conjoint Mboka, boycotto ça m'a beaucoup conjoint Mboka, yété. Est-ce que l'autre lobby a une sanction que Nabango? Merci beaucoup na linga mingi mission na yo ya la voix céleste to landa mama kasia parce ngala landa makoleka Daniel Safou international de l'UDPS alanda makoleka Daniel Safou prince pengé message après ça ba rolandé na Canada te mais moi je suis suivi et pas via Donis na Canada donc c'est pour voir que non nous on ne défend pas les individus nous on défend le valeur mais c'est le journaliste la non présence ou soit la présence il y a une institution collégiale, ça n'a aucun impact dans le serment de juge à cour constitutionnelle. Regardez ce qui va se passer. C'est là où vous allez comprendre que non, Fatshi, c'est un président extraordinaire. Fatshi, c'est un politicien que le jamais
en fait, que le Congo n'a jamais connu. Fati s'est imposé que l'humanité n'a jamais connu. Je vais maintenant vous donner la différence. Fati, hier à l'opposition, il était un politicien. Aujourd'hui, Fati, il devient un homme d'État. Il y a une différence entre un politicien et puis un homme d'État. Un politicien, c'est une personne qui a à la conquête du pouvoir. Mais un homme d'État, c'est une personne au total à venir à Mboka, n'a demi-vêté qu'au Salandengue. Donc c'est là vous allez comprendre qu'à l'UDPS, il y a de valeur. C'est pour cela, Fati, tant que tu as un discours, il faut ça là-bas, discours, oyo, et qu'on calme les uns et les autres. Il ne peut pas faire des discours incendieux. Pourquoi? Parce que c'est le père de la démocratie, c'est le père de l'indépendance, c'est le garant de bon fonctionnement des institutions. Maintenant, dans les récents conseils des ministres qui a passé, le président de la République avait instruit au premier ministre, à son tour, d'instruire aussi son ministre attaché au Parlement pour organiser la cérémonie après sa son, il y a serment à juge à cour constitutionnelle. Vous savez, dans la réunion au conseil des ministres, ils ont une réunion encore sacrée. Donc, traité au gouvernement débattu en conseil des ministres. Okay. C'est que Jésus aval, il y a un ministre national, aval, il y a chef exécutif, chef de l'État. Il y aura ce que Fatine a pendu l'Assemblée nationale. Premier ministre a exécuté, mais lobby, le juge va prêter serment. Il y aura ce qu'on appelle des sanctions administratives pour l'insubordination face au chef de l'État. Qu'est-ce qui va se passer? Ça va pousser au premier ministre à démissionner. Le président Fati va prendre l'ordonnance signant la démission du gouvernement. Maintenant, il y a la loi organique qui fait fonctionner le gouvernement et puis qui fait organiser le gouvernement. Qui dit ceci? En cas d'empêchement du premier ministre, en cas de démission, en cas d'absence, c'est le ministre président du gouvernement qui va assurer les affaires courantes. Le ministre président, c'est le ministre que je cite, que j'ai beaucoup de respect, le ministre Gilbert Kakonde, qui n'a pas chavé Tshisekedi Wamulumba, mon mentor politique, parce que l'UDPS, le tshisekedisme, c'est un état d'esprit. Et puis, le premier ministre comme chef du gouvernement, il y aura maintenant la crise entre le Parlement et le gouvernement. Pourquoi? Parce que chef du gouvernement, le ministre Gilbert, à Kolinga, Oyo, Assemblée Bando Salaté, en ce moment-là, le président doit appliquer l'article de la Constitution pour dissoudre l'Assemblée. Tant qu'il y aura la crise persistante entre le gouvernement et l'Assemblée, le président sera comme garant de bon fonctionnement des institutions, comme le président de l'autorité immorale de la Mouka, Fidolo Mbongo, comme le président des fonds des criminels au Congo, autorité immorale Joseph Kanembe, il va dissoudre l'Assemblée nationale à l'immédiat. Aux Omona, c'est que ça politique, il y a papier Nabik. Kabila a quitté le pouvoir 5 étoiles à Mindouki, mais Kabila fait 18 ans au pouvoir. Kabila avait le contrôle de l'armée, Kabila avait le contrôle de la justice, mais aujourd'hui Fati, sa majorité parlementaire, mon frère, mais ça n'a pas si. Mais Fati gagne toujours. Fati gagne, sans entourer avec des inconscients professeurs, des juristes soi-disant, Fati a remporté, Fati a pris son cours et la démocratie. Merci Ndeko Bandeko, partout dans le monde, c'est plein de l'analyse qui tourne. Il y a tout le monde qui a fait le lobby, il y a sécurité, ma casse. Si Nicolas parlait du peuple, il y avait une très belle sécurité. Alors, Bandeko Bandeko, infiltré, il y a un côté qui n'a pas été appelé. Donc, pour moi, mes amis, au moment où il y a une déclaration, il y a une chaîne internationale. Le bif Fati, il est actuellement le président le mieux sécurisé en Afrique. Parce qu'il y a comme une sécurité à Poutine. Il est le tout premier président le bien sécurisé. Tala, papa, le risque Fati a joué. Excusez-moi, le président Moussou a joué à Mboka. Kabila c'était un militaire. Kabila est venu de la Bouze. Andola Tababout, Kabila Colin Nzamba, Kabila c'est un militaire. Fati Azadjika qui est n'importe depuis 85, c'est un exilé politique. Fati parle mieux français, Fati s'habille bien. Mais qu'est-ce qui se passe? Par rapport à Batouba Kangaï Bango Lobio, on a parlé. Qu'est-ce qui se passe? Et croyez que non, Fati, Anaka Zala est éliminé. Oyebi, premier moment, Zaki, ni sauf Fati a su pouvoir à Oumé la thé. Mais Fati a risqué, à la Rana Bamoura, on a prêté serment. Oh, peut-être, par présent, Souba, on s'attire au Banga. Parce que Kabila Zaki militaire. Fati, à la Rana Moura. Ok, Chika, t'as déjà une information à Israël. Parce que Bazana Manette est froid, Rousseau a bien armé Bamounio. Sécurité, on a mon Akilobi, je n'ai jamais vu ça. Voire même en Europe. Mutomati le colla parler du peuple parce que Mundu Kibwe. Voire même là-bas, pini à chef de l'État. Pour Fati, tant bon à 500 cortèges. On est-il là qu'on a la tête. Donc Fati, n'a pas ça,
a coqué qu'on pour la volonté d'un individu. Et puis mes lobby, mon de mona qui bateau, ma simba qui bango, simba qui bango, y'a un monde facha, c'est qu'à qui basan on va bébé. Fachi lobby, abimisa qui casquette, y'a sphinx. Le fait, tiens, tu sais que doit moulouma, c'est pour la première fois depuis que facha comme président, a tiré la biso boué. Et ça racine la victoire. Tant on a coûté la gane mingi, na oya, a tiré la biso ralobo. Mais lobby facha, tiré la biso deux victoires. Je suis un politicien. Je sais ce que je suis en train de dire. Tous les signes en politique, ça racine significatif. Tant on a tiré la biso comprendre, combattre des personnes qui comprennent maman loba. Et ça signe victoire. Et le micro loba qui est mouki chalamouki, le sphinx salamouki, besengande moukongo, l'opposant historique. C'est que le peuple a gagné, la victoire est la population. Fati gagnera, Fati gagnera, barokokate. Barokokate, Fati gagnera toujours comme le winde gounanga. Il lobby vendredi la conseil, de la conseil des ministres. Mais conseil des ministres, vous allez Fati dresser à repasser un message dans mon kamoumbimba, le peuple congolais. Bah, qui j'aime tout n'a ni Fati à Koloba. Est-ce qu'à condition de parlement, est-ce que Libala, est-ce que c'est qu'à Koufa, est-ce que Bakisho de Bele Bele pour sanctionner Bakisho de Bele, Pesa Makambo et Binaba Namoura Bazolanda. Donc, pour mes amis, merci beaucoup. Parce que on a dit ceci, le y a eu communiqué, signé dans la présidence, ce n'est pas directeur à intérimaire. Et puis, on a vu, le monde a vu que non, le docteur Désiré Kolongele, c'est un directeur de cabinet discret. Mais quand même, c'est comme s'il était en train de co-gérer, co-diriger avec le chef de l'État. Mais il y a quand même quand même désiré. On s'en a moussala discrètement. On s'en a pas fouillé, on s'en a pas fouillé. Bon, on essaie de qui. Parce que pour mes amis, Fati a suspendu le conseil des ministres. Et puis, à une date ultérieure, cela veut dire que tu as vu que les gens sont sous terre. C'est ça que les Français disent que non, la suspension est inédite. Cela veut dire que tu as vu que les gens sont sous terre. Qu'est-ce qui va se passer demain? Fati a remanié le gouvernement. Fati a dissous l'Assemblée nationale. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà la crise entre l'institution présidente de la République et le Parlement. Il y a la crise entre l'institution cour des tribunaux et le parlement. Fati, il faut ça la haute population et ça qui est lobby pas ça redevable la biso. Ozoyoka et puis il y aura les élections anticipées. Les élections anticipées moi ça la manasienne ça tout n'a pas parce que loi organique c'est nzolo babu. Tant que besoin nous présent pour mandat en langue c'est silaki. Mais tant que présent nous sous invité, il y a aussi kaka en fonction. C'est que cour constitutionnelle ils en ont maboko ya les fronts des criminels au Congo mais faut tout réformer parce que tout réformer déjà cour constitutionnelle. Sukoyo il y a déjà des ambassadeurs plénipotentiaires, espoirs extraordinaires, autrement qui lobbyent l'Assemblée nationale. Baza déjà pour appuyer le chef de l'État. Et puis il y a le conseil des nations, il y a la sécurité des nations, il dit oh, Baza va financer l'élection que le ministère de l'Intérieur. Pourquoi? Parce que pour tous les députés, eh bien, tous les fumeurs de chambre, comme Daniel Sapouté, tous les ministres qui ont député. Ministres qui ont la majorité présidentielle, ils s'entendent à la défaite de Kabila, comme le match avait basculé, à qui n'est pas bon immunité. C'est que le lobby, Fatih prendra des grandes décisions des grandes lignes du pays vis-à-vis à la coalition, vis-à-vis pour le pays, pour la population et puis pour l'avenir de ce pays. C'est là où les gens vont comprendre que non, il n'y a qu'un seul président de la République, le président que je cite, Fati Béton, l'aigle politique et le commandant suprême, le magistrat suprême. Bah, nous avons une question par rapport à nous. Il y a qui est trop pour la juge, il y a trop, mais la juge a porté serment jusqu'à aujourd'hui. Il y a un silence radio à ta commentaire. Mon basalité, parce que bah, mon monique, Fati Béton, il y a un monde de l'écho. Il y a un monde qui est mission moko ezalaka ba ozatema juridique benga procureur général pour le peuple de l'UDPS bien international de l'UDPS ayez parce que to sala ka bien to défendre ka texte soki ozobe ozotengela nga muto wate donc yo bo mangana kufa place naza te donc ayez ko li droit na kimukolo problème ezanine mon frère ami je mets tous les juristes en défi de me prouver le contraire. Le parlement n'a pas qualité de destituer le chef de l'État. C'est le procureur général près la cour constitutionnelle qui est le juge pénal du chef de l'État qui peut voir que le président a violé la constitution et puis interpeller le président, demander sa démission en deuxième tour, demander maintenant le poursuit du judiciaire à l'Assemblée nationale. Mais tant qu'on quitte donc le but que Azosé n'a pas le mal, ce sont des inconscients politiques, ce sont des soi-disant juristes. Martin Foyol appartient au passé, c'est un indiscipliné politique. Donc, Batouana Nios Bazana maîtrise la politique, ce sont des gens qui ont intérêt, n'a volonté à Kabila ou Milan à pouvoir pour se retrouver. Donc, il y a un monde qui a fallu. Il y a un monde qui a battu la mouke ou Melaki. Il y a 8 millions. Et par exemple, tu bandes. Il y a un stop qui voyage à Fayou. Il y a un monde qui a fait. Je suis suivi. Viens dans un monde qui a fait à Paris, vers Sembadio. Dans le Havre, en France. Il y a un Martin Fayou a logé en Suisse 8 millions. Parce qu'il fallait que Kabila n'a pas mouzi tout.
bakabol bete simite omoni muzu ta fandele ki kusa la muka e ba fonde ba fonde ba fondele ba yosko ko kabola ndo moni ba pesi un conseil politique kusa la muka mais muta ke kete ba pina mutu na ko ma chef de l'état donc on ko comprendre que muzitu avait signé un décret pour interdire l'IGF nini ko enquêter ba entreprise publique à l'état les akin intention donc toutes ces bandes des aventuriers ba ko ko malo ba de nord de la santé parce que Fatih n'a jamais violé Fatih a ko violé constitution si il faut violer la constitution pour l'intérêt général de la nation moi je proposerai au chef d'état de le faire parce que la priorité des priorités c'est le développement de ce pays c'est l'avancement de ce pays voilà si les gens maintenant sont dans la tête bah monsieur bako tna retenir bako retenir ni vraiment par rapport au passage général le pourquoi le cas bar donc on va retenir boye va retenir na zo mettre batunyoso en garde en commençant par Daniel Safou prince pengue batunyoso basif qui vote à ligne papa bani ko sous-estimer ba parlementaire de Boumakasi que non à l'IDPS il n'y a pas de gens qui ont intimidé. Nous aujourd'hui tous ça koko yetien tu sais que du Wamulumba on défend les valeurs et pour ce pays ne parle rien à la télé il est là que pour faire le djalélisme le militantisme ozoyoka au sommet de l'État, c'est un parlementaire de Boufati. On a fait sa couille politique. On a des ministres, des parlementaires de Boufati. Gouvernement. Faut même tiens, tu sais que l'opposant historique, c'est un parlementaire de Boufati. Le parlement de Boufati, c'est l'appareil rouge. C'est là où Otobara débouche à l'oreille. Là où il y a la communication. Secrétaire général de l'UDPS Kabou, aujourd'hui, c'est un parlementaire de Boufati que je cite. Voit même Jean-Marc Kabound. Il y a déjà Mbote Makassi. Numéro dans un téléphone, les appels 243-84-5130-09 plus 243-84-5130-09. C'est votre procureur général pour le peuple de l'IDPS. N'a pas si mote n'a pas confrère n'a pas autre salaire n'a pas au Fox. Il y a qu'au communiqué au Balanda Kabiso international de l'IDPS à Bécholé, passé à Guilit. Donc tout ça est belé, ma présent René, bah moi n'a pas le terme belé. Merci. Et puis, n'a pas si mote n'a maman Angèle, ma Kengou, lettre à grand pays Washington à Kata Château Rouge. Merci beaucoup, maman, n'a pas le carapace sur le bina maman. Ma caisse impone na kata Paris baza telme belé na pasteur Sam na New York na fait na gila pembele na Angola. Merci beaucoup to kouten mala. Merci pour ça telme belé la nation partout le 4 coins du monde. Restez toujours branchés sur votre chaîne au bolinga ming la voix céleste soit la livine beya. Bon s'abonner belé c'était Ezarka Mr Cop devant votre caméra. Pas besoin qu'on contact na nga c'est toujours plus 243 81 35 8003 souka. Maintenant John Kamando doit soutenir son image qui toko bozo mona. On se retrouve au prochain numéro bye bye. So yanga iko sanzola Okonzi o yandimani wapunga Mon héros est d'une terrouche Je sais pourquoi je l'adore à jamais Obilembo ya motema Ma efasa kateo So ki ote masi andengayo Sina kufa kala Yawe Nae kukumba melayo Yawe Nae kukumba melayo Niboso na yo na pusani Na eko gumba melayo Maboko nanga na tomboli Na eko gumba melayo Yawe Yawe nangaye Yawe nangaye Yawe Baba, mimi mina kuabudu Mukombozi mwema, mimi mina kuabudu Bele yako na inamu Mimi mina kuabudu Mikono yako na inua Mimi mina kuabudu Baba Jésus Toto mboli oe Toto mboli oe Toto mboli oe
tombo lio likolo na nyonso likola ba problème to tombo lio likola ba situation tombo mal dollar ezo mata biso pe to tombo lio ozwa kombo likola ba kombo nyonso ya ya tombo mana kata émission oyo mité mato sopi na présence na yo Totombo liyo nzambalole Tombo ama yesu nangaye Lokola yako bima na konti na nini Yonde mokolo lopango ya vina ngaya ya Na tombo liyo nzambe nangaye Na tombo Soki yote masi andengayo Sina kufa kala Kukumba melayo Yawe Nae kukumba melayo Niboso na yo Soki yote masi andenga yo Sina kufa kala Yawe Nae kukumba Bamelayo Yawe Nae kogumba melayo Niboso na yon